je voudrais vous parler de l'éducation nationale, mais à ma façon. À partir de divers articles et témoignages, j'ai fait ces quelques couplets. Et Georges Brassens m'a bien aidé pour la musique. Jules Ferry, ce ministre grand réformateur, resté dans les mémoires comme le fondateur de l'éducation nationale, doit verser quelques larmes au vu des résultats obtenus par la France aux tests PIMS et PISA, bien en dessous de la normale. Alors pour les tests PIMS et PISA, si vous voulez en savoir plus, vous avez Internet. Comment donc expliquer ces piètres classements alors que les budgets sont plus que conséquents? Certains font référence aux grèves, peut-être, mais surtout parce qu'on a recruté de trop nombreux agents plus ou moins motivés qui ne voient jamais un élève. Mais plus grave au sommet de l'administration, c'est vite un petit groupe quasi secte, dit-on, aux visées idéologiques, lequel sut par exemple imposer en son temps la méthode globale qui fut pour nos enfants une expérience catastrophique. À l'abri du réel dans leur petit milieu, ces penseurs engagés et lucubres entre eux, cherchant l'innovation géniale, Eureka crièrent-ils un jour en annonçant un ballon et un référentiel bondissant, mais quid de leur santé mentale? Encore plus surprenant, lire, écrire et compter, c'est pas incontournable, serait hors de portée. Des enfants sortant du primaire, diable pour relever un semblable défi. Trêve d'innovation, un seul conseil suffit, faites ce que firent vos grands-pères. L'égalité étant chez eux une obsession, pour cacher les meilleurs, ils ont la solution. Plus de classement, plus de notes. Paradoxalement, la sélection au nid, voilà qu'ils la réclament quand ils confient leur vie à un chirurgien, un pilote. Il serait toléré pendant les interros que les cancres voulant échapper aux zéros puissent consulter leur portable. Pourquoi pas, disent des profs modèles, mais 68, se référant encore à leur icône bandite, dont les traces sont bien durables. La culture de l'excuse et de l'impunité, le refus de l'effort, le bac d'évaluer, tout cela conduit au naufrage, car qui peut contester cette simple vérité? Faire entrer dans la vie un jeune non qualifié, c'est le condamner au chômage. Ce service public aux mains des syndicats, Allègre le disait, est un mammouth trop gras. Sa réforme ne doit plus attendre. Qui donc s'en chargera? On l'attend, ce messie. Ou faut-il faire encore appel à Jules Ferry et qu'il renaisse de ses cendres? Et qu'il renaisse de ses cendres. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout.